Suite aux actes de pillage, de vandalisme, de décisions méchantes et d'atteintes aux propriétés publiques et privées provoquées par les manifestations anti-MONUSCO non autorisées, j'appelle les populations des villes de Goma, Butembo, Beni et d'autres agglomérations de la province du Nord Kivu au calme et à la retenue, tout en comprenant le ras-le-bol, l'exaspération et le niveau de déception de la population. Je juge intolérable et inacceptable les dérapages enregistrés ci et là sur le terrain ainsi que la récupération de la situation par les pêcheurs en eau trouble, avec comme conséquence des pertes matérielles et en vies humaines et des blessés parmi les populations civiles. Les militaires et policiers ainsi que les casques bleus. Face à cette situation très préoccupante et inquiétante qui doit vite être maîtrisée, j'enjoins la police nationale congolaise et les autres forces de sécurité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour interdire toutes les manifestations sur la voie publique, rétablir l'ordre dans l'immédiat et remettre les choses dans le droit chemin, tout en présentant mes condoléances aux familles éprouvées et mes compassions à la MONUSCO. J'instruis les forces de l'ordre et de sécurité de mettre hors d'état de nuire toute personne qui se rendra coupable des actes répréhensibles, si haut décriés, et de les transférer devant les juridictions compétentes pour subir la rigueur